Vincent, ça va mieux que vous? Ça va, oui. Ouais, ça va. Enfin, j'ai repris le boulot il y a 2 jours, mais ils m'ont mis au rayon terreau, du coup c'est dur de récupérer, mais ça va, merci. Ah ouais, tu m'étonnes, mais attends, c'est complètement idiot de t'avoir mis dans ce rayon-là. Ah non, c'est pas idiot, c'est le planning en fait, il y a les hasards du planning en fait, et du coup là, ce mois-ci, je suis au rayon terreau. Mais d'accord, mais ils auraient pu réfléchir, c'est là où vous portez le plus. Ah mais ils réfléchissent pas, c'est des ordinateurs, ils font les plannings, alors du coup ils réfléchissent pas, mais... Tu vas pas mettre ça sur le... Non, je te parle pas, je parle à... Je veux savoir ce qu'elle a fait pendant 2 jours. Ça... Arrête, t'as fait quoi, Julie? T'étais où? J'ai une fuite. T'as une... Bah oui, d'eau. Non, mais je veux dire, j'ai eu un dégât des eaux, quoi. Un truc énorme. Ah ouais. Dans ma cuisine, d'un seul coup, mais de la flotte partout. Bonjour, c'est Aurore. Je suis la personne qui s'occupait de votre papa. Voilà, je viens d'apprendre la triste nouvelle. Je pense à vous, je sais combien c'est difficile de vivre ce moment-là. J'ai beaucoup André et j'aurais bien aimé venir aux obsèques. Est-ce que vous pouvez me tenir au courant, me dire quand elles auront lieu? Je vous souhaite bien du courage et puis à bientôt. Au revoir. Vas-y, t'appelles maintenant, c'est toi qui appelles. Tu fais la touche à répit, ça fait le numéro tout seul et tu prends rendez-vous. Tu prends rendez-vous, je vais appeler. Vas-y, tu prends le téléphone, le gars des pompes funèbres, tu l'appelles, tu prends rendez-vous. Il faut de voir papa, alors vas-y, appelle. Pourquoi faire? Ben, pour voir papa. Répit, ça fait le numéro. Ouh, pompes funèbres! Appelle, vas-y. Il sera comment? Il sera mort. Alors tu fais le numéro, répit, ça fait le numéro tout seul. Non, tu prends pas de minutes. Ça fait 2 jours, tu prends pas de minutes. Non, je prends 2 minutes. Tu prends. 2 minutes! Ok. Je prends 2 minutes. 2 minutes. Sabrina, t'as 2 minutes? Et si je viens à Paris avec toi, tu m'emmènes? Oh, allez, s'il te plaît. Oh, j'ai envie de te voir danser, allez. J'ai envie de te voir en répétition, oui, comme ça. Je me mets en coulisses dans un coin et je te regarde juste comme ça. Oui, non, mais c'est compliqué. Non, mais je ferai pas de bruit, hein. Je serai ça. Je m'en sors, c'est pas un problème de bruit. Avec les yeux, hein. Oui, non, mais c'est pas un problème de bruit, c'est juste ça me dérange de savoir qu'il y a quelqu'un qui regarde. Allez, je dérange. T'as honte de moi? Ah mais non, pas du tout, c'est pas ce que je voulais. Est-ce que tu veux de l'aide? Non. C'est pas à moi de le faire, c'est Aurore.